Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap de Warzone 68 et cette fois-ci c'était contre un des clans feeder du grand clan Seven Legend. Alors en fait on a fait une grosse GDC et on s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout à tomber sur eux. Et je vous avoue que tout de suite ça nous a rappelé en fait notre grosse GDC contre Endless Happiness. Et c'était juste que du bonheur. Alors cette GDC a été très 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 serrée. Regardez-moi ça, 111 étoiles à 111. On a gagné au pourcentage 94,45% pour Warzone 68 et 93,57% pour Seven Legend. C'était chaud patate. Un petit mot en fait sur le breakdown, il y avait 8 TH11 pour Warzone 68 et 13 TH11 pour Seven Legend. Autant vous dire qu'on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur et gagner cette GDC, eh ben, on y tenait et ça nous fait vachement plaisir. On a fait 4 perfs TH11 sur TH11, 2 perfs TH10 sur TH10 et bien entendu tous les TH9 ont été clean. Alors du coup, ce qu'on va faire pour la récap, c'est que là ça va être une première partie dans laquelle je vais vous montrer les attaques des TH11 et des TH10. Il y en a 6 à vous montrer. Et en deuxième partie, on va faire celle des TH9 parce que, oh là 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 là, il y a eu du lourd en TH9, c'était un truc de malade. Et impossible de ne pas vous en montrer un sacré paquet, donc je me suis dit qu'on allait faire ça en deux parties. Voilà, alors on va donc pour cette première partie de la récap Warzone 68 contre Seven Legend, on va faire les TH11 et les TH10 et vous allez voir que ça va envoyer mais du lourd, un truc de malade. Allez, on commence tout de suite par notre grand Nicolas qui nous a sorti mais vraiment un skill d'enfer sur cette GDC et honnêtement il mérite largement son surnom de Daddy parce qu'il nous a vraiment mis plein les yeux sur cette GDC là. Alors donc ça c'est la première attaque de Nico avec une compo donc maintenant qui est très classique et que vous connaissez donc pour les TH11, un Gobo Witch, Golem, quoique je suis même pas sûre qu'il y ait un Golem, en tout cas il y a vraiment masse bouliste et ça, le but étant bien entendu de faire tourner les sorcières sur les côtés du village et de tracer un chemin, regardez le chemin de saut pour la masse de boulistes qui va rayer en fait le centre du village et c'est juste magnifique. Je vous avais parlé dans une de mes dernières récaps de la façon que Nicolas a de faire cette attaque là, c'est quasi militaire, c'est vraiment inexorable avec la pose des sauts qui est incroyablement rythmée et ces boulistes qui avancent, qui avancent, qui avancent avec ses gros héros bien entendu. Waouh! Alors là on est à 75% de destruction, le molosse du CDC adverse est sorti et on peut se dire que ça va être super juste, mais regardez les sorcières qui restent et elles sont là et elles font des squelettons à tour de bras. Et ça va le faire, le Warden il lui reste un pixel de vie pour le moment. Mais voilà, on se dit qu'il y a vraiment moyen de moyenner. Le molosse s'attaque à une sorcière qui est tout en haut et il ne voit pas que en bas, regardez la masse de squelettons qui arrivent. Les saussottes qui s'attaquent à l'anti-aérienne, complètement inoffensive à ce moment-là,
l'Arkix qui a été un peu perturbé, qui ne sait pas s'il doit attaquer en haut ou en bas, qui va tourner, etc. Et les sorcières qui vont continuer. Elles vont entrer dans le village et avec tous leurs squelettons vont s'en prendre à cette pauvre Arkix et faire un magnifique Tristar. Les roquets de lave du molosse adverse ne pourront rien y faire. Et voilà. Belle attaque. Magnifique, Nico. Bien joué. Allez, maintenant, on va regarder l'attaque de Matt. Avec, donc, sa grande reine, son petit roi et son petit warden. Et compo, pareil. Bouliste, sorcière. Donc, sur les angles, pour pouvoir les faire tourner. Un saut au milieu, avec, regardez, un golem qui va tanker les deux canons, pendant que les boulistes vont détruire tous les bâtiments non défensifs, en fait, et se concentrer vers le centre du village. C'est magnifique. Les troupes qui doivent tourner, tournent. Les troupes qui doivent aller au milieu, vont au milieu. Chemin de saut pour pousser tout le monde plus en profondeur encore. Regardez cette masse de couleurs. On ne sait même plus qui est qui, mais tout ce qu'on sait, c'est que le village est en train de se faire détruire. Alors, en haut, on n'a plus de sorcières. Elles sont en bas, avec les boulistes. Elles sont tankées. Elles s'en prennent maintenant à l'hôtel de ville. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la reine qui a un poil de vie. Et elle a tanké le warden qui est là, qui fait son taf et qui détruit donc tout ce qu'il voit. Les sorcières, toujours tankées par les boulistes, avancent. Elles ont fait masse squeletton. Elles continuent d'en faire. Voilà. Ça continue. Tout ce petit monde va remonter le warden. Il ne lui reste vraiment plus grand chose. Ça y est, il est mort. Mais les boulistes sont là, dans la place, avec les sorcières. Et là, ça va être juste... Wow! Tristar, les mecs! Bravo, Matt! Belle attaque! Allez, la deuxième attaque de Daddy, c'est celle-là. 20 boulistes, une dizaine de sassa, donc 5 sorcières dans chaque angle, avec chacune leur petit garde du corps bouliste, le seau au milieu. Regardez, encore cette technique du géant qui tanque les canons, et les boulistes qui vont pouvoir entrer au milieu avec roi, reine, warden. Bien entendu, les rages pour redonner du peps. Deuxième saut qui ouvre encore plus l'intérieur du village. Les boulistes se regroupent et accompagnent le roi, la reine. Ils ne font qu'une bouchée des défenses. Regroupés comme ça en masse avec les héros, c'est un carnage. Même pas peur des TDE. Et là, voilà. La masse de sorcières qui reste et qui va donc se rejoindre. Il y a des petites cabanes. Voilà. La dernière petite cabane. Tristar. Bien joué, Nico, c'est magnifique. Allez, le quatrième perfect TH11 sur TH11, c'est Ricky, un copain du clan, qui nous a fait l'amitié de venir faire une petite GDC avec nous. Ça nous a fait bien plaisir. Et lui aussi, il s'est mis à nous faire du show. Alors, regardez cette petite technique du bouliste qui va détruire un mortier. En haut, c'était pareil. Donc ça,
C'est super sympa parce que du coup, ça va permettre de prolonger en fait la longévité des troupes qui vont tourner. Et là, on a des casse-briques qui n'ont pas fail, c'est magnifique, au lieu d'un saut. Donc tout le monde va quand même entrer et regardez des séismes pour ouvrir le centre et diriger tout le monde vers l'aigle, le CDC adverse. Pendant ce temps-là, il est provoqué, sorti, poisonné. Il y a un rage qui attend cette masse de poulistes. Et là, maintenant, le saut pour leur permettre donc d'aller vers la seconde moitié du village. Les TDE sur les côtés sont un peu embêtantes. Mais voilà, elles sont distraites parce qu'il y a vraiment des troupes partout. Partout, partout, partout. Une TDE a été détruite par la reine. Vous voyez, en haut, les boulistes et les sorcières ont bien fait leur boulot et arrivent vers le sud. Pendant que la reine, au milieu du village, continue son boulot et détruit tout ce qu'elle voit. Et là, Tristar, magnifique. Bravo Reki, belle GDC à toi. Allez, on passe maintenant à l'attaque des TH10 en commençant par Adrien. Adrien, vous le connaissez, il a fait le tournoi FFF avec nous. Un hitter TH10 et qui va nous faire une très très belle attaque que celle-là avec un truc que j'adore. C'est les foudres avec un quake au milieu pour détruire donc l'anti-aérienne qui était au milieu du village et inaccessible. Et pendant ce temps-là, on a donc un golem qui tanque la reine. Le but, ça va être d'aller chercher donc les anti-aériennes qui sont en périphérie. Regardez les casse-briques qui lui ouvrent une superbe voie, magnifique. Le sorcier qui lui casse le chemin pour qu'elle va, pour qu'elle rentre en fait dans ce carré. Voilà, c'est fait maintenant. Et on est sûr qu'elle va prendre au moins deux anti-aériennes. Sa capa est activée. Deux AA descendus par la reine toute seule. Et là, le roi arrive en renfort. Il y a encore... des casse-briques qui vont arriver. Un petit fail casse-brique, mais le mur est bien fragilisé. Le roi va pouvoir entrer. Est-ce qu'il va réussir à prendre l'anti-aérienne? Sa capa est activée au bon moment. Et là, le voilà. Il n'y a plus d'anti-aérienne sur ce village. Et les dragons entrent en scène sur le côté opposé, le côté hôtel de ville. Donc ils sont déployés en ligne pratiquement pour qu'ils puissent avancer en se regroupant et pas de façon trop isolée. Un rage qui leur redonne du peps parce qu'il y avait la reine adverse à prendre. Et là, les dragons qui se remettent en ligne pour avancer, des ballons sur les côtés du village pour venir en renfort, et c'est magnifique. Cette attaque là, elle est très très belle. Bravo Adri, très bien joué. La dernière attaque de TH10, c'est Fléau 68 qui va nous la faire. Ça va être un Quadra la Lune, donc 4 molosses. Allez, on a des sorciers et un bébé drag pour faire un petit funnel. Donc, première phase de nettoyage. Regardez comme la petite anti-aérienne là, elle est mise à nu, elle est toute seule, isolée.
Et le roi qui arrive va n'en faire qu'une bouchée. C'est des ces boulistes, reines. Tout le monde entre dans le village, le CDC adverse est provoqué, sorti poisonné. Hop, il y a un bébé drague et des sorcières. Et ça, il faut absolument s'en débarrasser avant de lancer la valoune. C'est fait maintenant. La reine a même réussi à prendre encore une TDS. Et là, regardez, ici, à droite du village, on avait juste deux ballons pour prendre, je sais plus ce que c'était comme défense. Mais sur la partie gauche, on a donc le quadra la lune qui est déployé sur le reste des anti-aériennes avec des speeds pour tracer le chemin au ballon. Et les pousser, le rage qui tombe à pic parce que les ballons entrent dans le rayon de la TDE. Et là, honnêtement, deux molosses qui arrivent pratiquement entiers sur la dernière anti-aérienne avec leur cortège de ballons, c'est juste fantastique. Encore un petit effort, dernière TDA, voilà, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien de ce pauvre village, et c'est bien entendu une attaque qui va se solder par un Tristar. Magnifique, bravo à toi Fléau. Voilà les barbares, voilà pour cette première partie de cette War Recap Warzone 68 contre Seven Legends. Vous avez vu les attaques des TH11 et des TH10, c'était beau. Alors, comment dire, stay tuned, parce que la deuxième partie avec les TH9, ça va être du gros. Allez, on se retrouve très vite pour cette fameuse deuxième partie. En attendant, enjoy!